Voilà, notre visage a réellement pris forme. Maintenant, nous allons ajouter les cheveux. Alors, la forme générale des cheveux, on ne va pas dessiner cheveux par cheveux, on va dessiner la masse des cheveux. Et pour cela, eh bien, on va prendre un outil qui existe. C'est l'outil polygone, mais polygone rempli. Voilà, alors la couleur pour l'instant, ce sera sans doute le bleu habituel. Je changerai après. Alors, pour dessiner les cheveux, moi, je vous propose la technique suivante. On va dessiner une première ligne, puis une frange, on redescend, on fait le tour du visage, approximativement, hein. On descend, plus bas que les oreilles, voilà, hop, et nous avons ainsi à peu près les cheveux. Bon, ce n'est pas au point, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut peut-être descendre l'ensemble de la masse des cheveux un peu plus bas. Alors, les cheveux ne sont pas symétriques, mais ça n'est pas très grave. Hein. Personne n'a les cheveux symétriques. Voilà. Ici, on a quelque chose qui pourrait passer pour des cheveux. Sauf que la couleur ne convient peut-être pas. Alors, on peut les mettre, par exemple, en vert. Voilà. Joli ? Bah oui. C'est bien. Couleur verte pour ses cheveux. Ou, si ça ne vous plaît pas, vous choisissez autre chose. Alors, une chose qui me chagrine fort, c'est que les formes sont quand même très géométriques. Ça semble être des cheveux qui ont été taillés à la hache. Alors, je vais arrondir tout cela. Pour le faire, on pourrait passer sur chacun des points, le transformer en un point lisse, et ainsi de suite. Alors, moi, je vais aller un peu plus vite. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble des points, ou presque tout l'ensemble des points de la chevelure. Attention, j'ai pris bien soin de ne pas sélectionner les sourcils, et je devrais travailler ces points-là après. Donc j'ai sélectionné l'ensemble des points, ou presque, et maintenant, je les passe tous en jonction lisse. Voilà. Alors si je veux faire des franges à l'avant, pas compliqué, je repasse en point d'inflexion et je refais le point d'inflexion comme je le souhaitais. Voilà, à vous de voir comment vous souhaitez coiffer votre personnage. Point d'inflexion et hop, je refais la coiffure. Voilà, donc là nous avons la coiffure qui pourrait être acceptable. À vous de voir si vous voulez l'améliorer. Alors il nous reste juste un tout petit détail, je vous propose de le faire directement dans cette vidéo-ci également. Ce petit détail va avoir son importance si le personnage a les cheveux courts, parce qu'il nous manque les oreilles. Alors, pour les oreilles, je vais raccourcir un peu les cheveux du personnage pour qu'on puisse positionner correctement les oreilles. On va positionner les oreilles, regardez une photo de vous, au même niveau que la bouche, au même niveau que les yeux, bien sûr. Alors, pour faire ces oreilles, je vais de nouveau reprendre mon outil favori, les ellipses, et je dessine une ellipse à ce niveau-là. Voilà. Alors, pour qu'on puisse distinguer l'oreille de la forme du visage, je vais peut-être prendre une couleur un peu différente du visage pour l'oreille, un peu plus foncée peut-être. Donc, je viens chercher quelle couleur. Alors, est-ce que celle-ci conviendrait ? Oui, oui, on va dire que ça convient, j'aurais peut-être préféré une couleur un peu plus sombre, donc je vais dans les couleurs personnalisées, je vais diminuer la luminosité, je vais à 80% luminosité, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci, c'est peut-être une couleur trop foncée, celle-là, à peine, allez, je vais remonter un petit peu, voilà. On va dire que cette couleur-là convenait. Et alors, bien sûr, j'enlève le trait bleu en contour. Voilà. Ah oui, mais mes oreilles ici, cette oreille, elle est au-dessus des cheveux maintenant. Il faut la faire reculer. Alors pour ça, on va utiliser la possibilité de reculer la forme d'un rang. Je fais clic droit. Position. Non pas position, disposition. Et je vais l'envoyer ici. À l'arrière, tout à l'arrière du dessin. Voilà, et j'ai l'oreille qui s'est mise derrière le visage, derrière les cheveux, et même derrière la ligne de symétrie. Voilà,
Ça semble correct, surtout si on redescend un peu les cheveux. Et maintenant, cette oreille, ben, je peux la recopier de l'autre côté. Il n'y a pas de raison. Donc, à nouveau, copier, coller, et puis je l'envoie de l'autre côté du visage. Voilà, et à nouveau, je vais envoyer l'oreille à l'arrière. Pour cela, clic droit, disposition, à l'arrière. Voilà, je termine en recoiffant le personnage. Et avec cela, bah, nous avons quelque chose qui semble relativement correct. Hein. Les cheveux pourraient être un petit peu améliorés avec un dégradé, par exemple. On pourrait faire une petite forme dans les cheveux, mais ça sortirait du cadre de l'explication que je voulais vous donner ici. À vous de voir après les détails du personnage que vous aurez sélectionné. Vous remarquerez que les yeux au milieu du visage, bah, c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème. Je peux maintenant retourner pour clôturer à la couche visage que je vais déverrouiller de manière à supprimer cette ligne verticale qui ne me sert plus et l'autre ligne horizontale qui ne me sert plus. Il me reste à enregistrer le document sous le nom qui vous conviendra le mieux. Voilà, travail terminé. À vous maintenant. Bon courage !